consider advice que la police nous demande dans le cadre de la guida sur Minaden aussi vite que possible. Et nous apprendre que la police, suite à nous, ce qu'ils nous fait de bastonnade d'hier, ils finissent à voir les autres requêtes. Et là, nous pouvons demander et implorer même le bureau du DPP de faire, je donne ce qu'ils appellent, je t'advise au plus vite. Et nous connaissons le bureau du DPP, moi aussi et moi, le bureau du DPP, avec tous mes camarades qui nous respectent au sein du bureau du DPP, que le travail sera fait. Et lundi, donc, nous vous finissons qu'on stène le bureau du DPP, l'eau s'assuse là. Et nous l'êtes inacknowledge et par le bureau du DPP et par le bureau du commissaire de police. Donc, on attend qu'il y ait un développement donc, d'ici lundi en cours de district de Pau-Louis. Ça, c'est la première information qui nous est là pour dire. Deuxième information qui nous est là pour dire, donc là, nous apprenons que non seulement qui le ministre, qui ex-ministre Yogida Sominaden à l'extérieur, nous apprenons qu'il prenait une série peut-être d'injonctions contre un éventuel témoin. Donc nous poursuivons ça de près et nous poursuivons toute tentative de menace par qui que ce soit avec beaucoup d'attention. Donc voilà ce qu'il m'a pour dire en sus de qui soit un camarade. Donc lundi, pour l'enquête judiciaire et private prosecution en même temps, comment je peux balancer? Non, l'équipe est une grande équipe. Nous sommes l'équipe d'ailleurs où vous trouvez dernier temps et dans Ruben Mougapilé. Il prend le devant et peut cross-examiner au nom des Avengers ici. Et Ruben pour continuer le travail d'ici avec une équipe camarade d'avocats. Et nous avons l'équipe à pour lui. Nous avons l'équipe d'ailleurs le submission de nos camarades Sanji Tilakdari qui est poursuivi par submission de Roshi Badin et qui est poursuivi ensuite par Shakil Mohamed pour faire le closing. Comme un camarade connaît Mopo aussi devant les assises. Et nous n'avons pas fait du mal de renvoi pour toutes les choses pour aller, et que ce soit au niveau pour lui, au niveau Moka, et pour les autres fronts qui sont ouverts. Mais nous tous connaissons qu'ils n'ont pas ouvert trop beaucoup de fronts. Et nous connaissons dans l'histoire de l'humanité, la guerre de Napoléon ouvert beaucoup de fronts, et Hitler qui ne m'a pas respecté du tout, mais qui a ouvert beaucoup de fronts, et perdit la guerre quand on a ouvert trop beaucoup de fronts. L'équipe Avengers aussi, nouveaux camarades peuvent joindre nous. La semaine prochaine, samedi prochain, pour ne pas y avoir aucune confusion, samedi le 20 février. Ça veut dire pas samedi après le nouvel an chinois, mais samedi et qui peut suivre hein, pour ENA et une réunion d'organisation de Avengers. Avengers, ils structurent, organisent, mettent une fondation du bout pour ENA le combat amené dans un plus large contexte. Et dans ce contexte-là, et Ruben pour envoyer un message, et na Cliff Grenade pour envoyer un message, et tous camarades pour envoyer un message qui bizin pour qu'il y ait des gens, des professionnels, d'autres professionnels joignent le groupe pour un plus grand combat. Et aussi, pas juste professionnels, quand on dit professionnels, dans tout domaine, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, comment nous connaît, l'intelligence sous toutes ses formes, c'est-à-dire tout Mauricien, Agaléen, Rodriguez, et la diaspora. Pour faire un large éventail de combats qui a amené au plusieurs fronts. Combat là, c'est la justice, c'est la vérité, c'est combattre fraude et corruption. Et pas plus que ça, c'est dans le cadre des droits humains. C'est dans le cadre des droits humains. Laisse-moi terminer.